On se retrouve pour ce deuxième épisode sur Craft the World. Et donc, comme promis, un portail vient d'apparaître qui est complètement voilà, de ce côté-là. Et au niveau des évolutions, donc, ben, ça n'a pas changé depuis l'épisode précédent. Normalement, je peux toujours pas malheureusement faire. Alors, je peux faire des armures. Ah, j'ai pas assez de cordes. Ce qui me reste. Oui, voilà, on va faire ça et on va commencer à faire des armures. Hop là, alors de la feuille, de la corde, du bois, ça j'en ai plein. Du coup, on va faire 5, on va tous les faire et on va les équiper tout de suite. Les 5 premiers qui arrivent. Hein. Voilà, donc ça leur ramène 4 d'armure. Par contre, ça leur enlève de l'agilité, mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'archer. Donc l'agilité est surtout utile pour les archers, hein, pour éviter qu'ils ratent leur coup. Voilà, déjà avec l'armure, voilà, lui, il flippe, donc il s'en va. Il serait bien qu'ils attaquent tous, là. Ok, j'ai un de plus. Ok, donc lui il arrive en plein milieu de la baston, tout va bien. On va lui faire. On va en faire 2 pour le prochain aussi. Alors il faudra qu'il les fabrique. Mais je vais pouvoir les équiper. Bon, ça va, l'attaque n'est pas trop violente. Ça reste gérable. On continue à récupérer du bois. Et là, je pense qu'ils ont récupéré à peu près tout ce qu'il y avait récupéré. Non, il en manque un peu. Alors, où est-ce qu'on est de l'arbre technologique? Alors, on est bientôt accès aux armes, enfin. Donc, l'arc en bois, le bâton, c'est pour l'image. Pour l'instant, je n'en ai pas. La massue, qui tape fort. Le sort d'appel, qui permet de regrouper tous les nains. Et un gant d'archer pour améliorer la compétence des archers. Il va me manquer, bah oui, j'ai mis à fabriquer des pioches. Donc le temps qu'il les fabrique pour valider la quête. Ah ben, bon, c'est sympa ça. Un petit piège à squelette, c'est cool. Voilà, ça va se débloquer. On va pouvoir faire les armes. On va les fabriquer tout de suite. Ah, en plus c'est pas très cher en composants. Ils sont 8, on va faire 8, hein. Pas s'embêter. Les flèches, on n'aurait pas besoin. J'ai accès au sort d'appel, on va le mettre là. La scie, on va faire une scie. Je sais jamais si c'est pour le charpentier. Compétence de bûcheron et de charpentier, c'est pour les deux. Ok, on va en faire 2. Donc j'ai bientôt fini le travail du bois avancé. Alors, on peut commencer à faire du verre. Alors, le verre, voilà, il me faut du sable et du charbon. Il faut vraiment que je trouve du charbon. Je vais en manquer. Je vais manquer beaucoup. Équipe, hop, voilà. On va attendre qu'ils construisent tout ça. Alors, charpentier, on a dit nageur, on s'en fiche. Charpentier forgeron, ça c'est tablier de forge, donc ça va l'aider. Voilà, et le petite partie jaune, c'est le bonus que lui donne le tablier. Pêcheur cuisinier, on s'en fiche. Forgeron nageur, là, lui, il aurait besoin d'un tablier aussi, on lui en donnera un. Mineur, on s'en fiche, charpentier, hop, une scie, voilà, et j'ai pas de bûcheron, non, j'ai pas de bûcheron, d'accord, c'est embêtant. On va faire le tablier pour mon forgeron. Alors, est-ce que tu es là? Voilà, forgeron, toi t'es équipé, et toi, on t'équipe aussi, voilà. Il va me manquer des armures. 1, 2, 3 armures.
Armure. Je peux en faire qu'une. Qu'est-ce qui me manque? De la corde, bien sûr. Et j'ai plus de laine. Ok. Vivement qu'on puisse faire les fermes. Les fermes, c'est ouf, c'est encore loin. C'est encore loin. Pêche, décoration, transformation avancée, ameublement, agriculture. Ouais, c'est encore dans longtemps. Donc on va patienter un petit peu. Ouais, je pense que la nuit va se terminer tranquillement. On va aller chercher tout ça. Ah, là j'en ai du charbon. Donc on va leur mettre. Comment on va faire ça? On va faire un pont. On va faire un petit pont de bois. Alors comment ça se goupille? Je vois pas grand chose. Éclairé. D'accord. Ah. Il y a ça à récupérer déjà. Là, il y en a aussi du charbon. Là, ça va me donner accès à la mine. Là, il y en a aussi. Il y en a aussi. Je voudrais pas que le charbon tombe, en fait, et qu'ils aillent le chercher. Ça m'embêterait beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre une échelle. Voilà. Et après, on va faire un petit pont comme ceci. On va remettre. Donc là, l'échelle, on n'en a pas besoin. On va ici. La creuse est là. On va aller chercher le charbon et le fer. On va finir le pont. Voilà. Et il faut que tu récupères tout ça. Ok, alors, niveau de la fabrication, on commence à avoir des armes. Bon, j'ai pas encore de guerrier, malheureusement, ça en aura peut-être plus tard. Le guerrier tape beaucoup, beaucoup plus fort, je crois qu'ils font deux fois plus de dégâts. Parce qu'ils sont tous équipés, oui. Il manque encore deux armures. Je vais en mettre des sacs à dos aussi pour qu'ils transportent plus de choses. Du coup, là, il n'y a pas de mouton, là non plus. Ah, il y en a un là. Allez, récupérer les moutons, la cocotte aussi. Est-ce qu'on peut pêcher? Bon, j'ai pas encore les cannes à pêche. Pas d'autres moutons, pas d'autres moutons. On va récupérer le blé. Voilà. Allez, voilà. Meunier, ok. Hop, ferme le portail. C'est vite qu'ils repartent là-bas, on ne sait pas trop pourquoi. Alors du coup, j'ai de la laine. On va faire trois cordes, quoi. Super. C'est pas beaucoup. Ah, si, je faire les deux protections qui manquaient pour mes nains. Voilà. Ils ont tous un chapeau. Non, il m'en manque un. Ils ont tous une armure en tout cas. Pour les armes, ça va arriver. Mais je manque de feuilles, quoi. C'est juste pas possible. Ah bah. Là, les feuilles, c'est pas un problème. On va récupérer là. Continue à faire son trou. On va récupérer tout ça. Oui, du coup, toi, tu peux pas. Oui, j'ai compris. Voilà, tu vas pouvoir grimper. Ah ben il y a de l'eau là, c'est bien, ça me fait une petite réserve finalement.
On va la collecter. Prendre de l'avance sur l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est juste la nuit, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Du cristal. Bouteille. On va faire des bouteilles. Ok. Toi, ça me fiche pour le moment. On va faire un arc quand même. Comme un jour j'ai un archer, on va faire de l'huile. J'ai pas encore les bouteilles, de l'argile. Du coup, on peut en faire avec de l'eau. Voilà. Voilà, comme ça je finis mon niveau. Voilà, impeccable. Des armes, faut que j'en fasse plus. Je fasse plus d'armes. Je vais manquer de charbon, je pense. C'est du fer. Ouais, je passe combien les armes là? Il suffisait un bâton aussi. Un peu plus d'XP. Des flèches de feu. Ça on peut faire. De l'huile. J'ai toujours pas les bouteilles. Alors, on peut faire les lampes de mineur, il faut de la corde. Support lumineux, il faut de l'huile. Lampe minérale, il faut de l'huile aussi. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Lampe portative, il me faut de l'huile, décidément. Et là, il me faut de la corde. Et j'ai plus de laine, forcément. C'est la cata, au niveau de la laine. C'est toujours le même problème. Hop, on va rajouter un lit, je crois que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 minutes, ok, c'est bon. On a tous de quoi dormir. Alors, guide fabriqué quoi, lui? Ah, j'ai un livre de meunier. Nageur, nageur, tu vas être nageur, meunier. Je n'ai pas de meunier. Forgeron. Mineur, charpentier. Ouais. Au nageur, tu ne sers pas à grand chose. Ce sera meunier. Ok. Alors, je n'arrive pas à passer à travers. Heureusement que je leur ai mis une échelle, quoi. Tout va bien. On va enlever ça. Et on va reboucher ici. Pour faire un passage. On va rajouter des lampes, parce qu'on n'a pas grand-chose. Ok. Alors on en est où? Travail du fer. Les armes, transformation avancée, c'est bon. Et pour le bois. Établi, scie à main. Je fais une autre scie. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire une autre scie, tant pis. Voilà, donc ce sera fait, voilà. Ok, ça c'est fait, et pour les armes, on va refaire, qu'est-ce qui va manquer, ça, j'ai 5, bon, je vais mettre la recette déjà préparée. Alors, ceux qui sont pas équipés, voilà. Ils sont tous équipés en fer, les armes, les outils. Toi, il te manque un chapeau. Je peux toujours pas faire de ficelle.
peut-être pouvoir commencer à se faire une petite maison. Du coup, ça peut être sympathique. Eux, ils sont plus très nombreux non plus. On va peut-être pouvoir aller s'en occuper. On va attendre que la nuit passe. On va éviter de se coller en plus des zombies. Ce serait dommage. Ah, ben voilà. Enfin. Enfin. Donc, fortification, voilà. Ça, c'est cool. Des cages en bois, des pièges. Construction avancée. Je l'ai pas validé. Pourquoi je l'ai pas validé? Ah, parce qu'il faut que je finisse ça d'abord pour avoir construction avancée. Ok. Éclairage avancé, il va me falloir de l'huile. Et pareil, il faut le faire pour débloquer l'autre recherche pierre. Du coup, on va faire de l'huile. Voilà. Et au niveau de l'éclairage, ce que je voulais, c'était des lampes de mineur. Mais il me faut de la corde. Et là, pour l'instant, j'ai vraiment une production trop limite. C'est du charbon, non, c'est du fer qu'il faut. Ok. On va faire des lampes comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lampe? Pas de cage, non. Des pièges en bois. Faisons des pièges en bois. C'est pas très efficace, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Fortification. Clôture. Voilà. Quoi d'autre? Cage, je peux toujours pas la faire. Des champignons. Lampe de mineur. Lampe portative, il me faut du verre. On va faire du verre. Ouais, c'est le charbon qui me manque toujours. Charbon, c'est un peu compliqué là sur cette partie. On va continuer à creuser. Là. On va rajouter une torche par ici. On va construire un bloc de pierre de terre ici pour pouvoir avoir accès à ça. Et on va continuer à explorer dans ce sens-là. On était pas mal. Voilà, il y en a du charbon. On va fermer là. On est parti plutôt vers la gauche, ne me demandez pas pourquoi, ça s'est trouvé comme ça on va dire. Là on peut partir de ce côté-là aussi. Disons. Par ici. Je suis peut-être un peu serré mais. Mes tunnels là, peut-être écarter un peu pour essayer de trouver un peu plus de minerais et autre chose. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de m'enfoncer beaucoup plus profond, j'ai pas besoin de minerais plus rares qu'on trouve donc plus profondément, comme l'argent ou le mithril, etc. Ça, j'en aurai besoin de beaucoup plus tard. Alors, il est tombé comme un nœud. Voilà, un nageur, super, on s'en fiche. On va mettre un petit pont ici. Voilà. Du coup, par contre, si ça ferme encore ma. Ouais. Ça ferme plus du tout ma. Voilà. Ça, j'aime pas du tout. Donc, on va l'enlever. On va fermer. Ah, j'ai encore du fer. Éclairer.
Bon, ben voilà, on s'en sort pas trop mal. Mais j'avais dit qu'on irait s'occuper de des gobelins. Donc on va mettre un portail et on va mettre un appel. Et on va les attaquer. Tant que tout le monde arrive. J'affiche tout le monde est bien équipé. J'ai pas d'armes supplémentaires. Ok, bon, ça devrait passer, ils sont pas trop nombreux. Il y en a qui fuit déjà. Ben voilà. On est sur leur camp. Voilà. On va remettre un portail. Parce qu'il y a pas mal de choses à récupérer. On va avoir besoin d'aller faire des allers-retours. Alors a priori ils ont faim. Ouais. En même temps j'aurais mis que des pines de pain, c'est pas très sympa. On va mettre une deuxième table je pense. Ça a commencé à être limite. C'est dans l'équipement de la maison. Là j'en ai une. Ça tombe bien. On va mettre là. Ok. Je vois pas grand chose. Vous voyez à quel point ils sont menés quand même. Donc qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah. Une fourmilière. Donc là, faut que je tue toutes les fourmis. Oh, mais j'ai beaucoup de charbon là. Ben, ça fait beaucoup par contre. Faut que je tue toutes les fourmis pour pouvoir exploser la fourmilière pour peu qu'elle pop. Mais là, ça, je pense que je suis un petit peu léger en équipement pour le moment. Pour faire ça, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je pense. On va fermer là. Alors, là, il y a du charbon. C'est cool. On va se refaire de l'éclairage, parce que là, c'est la cata. Il n'y aura rien du tout. Voilà. Niveau des recherches. Fortification, c'est presque fini. Alors, est-ce qu'on va se fortifier? Ben là, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est pas là, ça doit être là. On a des pics. On a des cages. J'ai fait des cages, non. J'ai pas fait des cages. On a des pics, on a des pièges. Donc les pics, on va les mettre là. Ça ralentit les ennemis, en fait. On va les mettre là aussi. On va mettre un piège là. Là aussi. Voilà. Ça c'est cool. On va collecter l'eau. Un piège là. Ouais, ouais, ça je vais mettre un piège. Ok. Alors du coup, on a accès à quoi? Lampe murale. Alors ça, ça fait une belle lumière, c'est beaucoup plus agréable que les petites torches qu'on met. C'est plus pour l'intérieur de la maison, mais c'est quand même pas mal du tout. Bibliothèque, pour l'instant.
que j'en ai qu'une. On va mettre là. Recherche. Il manque un peu encore de fortification. Alors. On a bien voulu faire ça. Alors, j'ai toujours pas de laine. Là, il y a un mouton. Il y en a un autre, mais il n'y a pas assez de laine sur lui. Ça peut me rapporter grand chose en laine. Ce serait dommage de le tuer. On va attendre un peu. On va le tuer pour la viande. Ouais, le mouton, c'est pauvre. C'est pauvre, pauvre. En même temps, j'ai un peu de sous. Enfin, j'ai 8 pièces, c'est pas énorme. Mais si j'achète de la laine. De la laine, ça coûte 2 pièces. Non, c'est de l'argent, ça. De la laine, 2 pièces. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Je dépense tous mes sous, c'est pas trop grave. On en gagnera plein après. Là, il y en a un autre mouton. Finalement, la laine a poussé vite sur lui. Et puis, le portail servira aussi pour amener ce que j'ai acheté. Qu'est-ce qui... Et du coup, on va pouvoir faire une cage. Voilà. Alors, le principe de la cage, c'est que les mobs rentrent dedans. Ils sont coincés. Ils se coincent, en fait. Ça les ralentit pendant un bon moment. Et du coup, on peut aller leur taper dessus. Alors, le toit échafaudage. Enfin, j'ai accès aux échafaudages, aux pièges. Donc, je vais pouvoir commencer à piéger des bébêtes. Par contre, tant que j'ai pas... Tant que je n'ai pas la ferme, je peux pas les capturer. Par contre, j'ai enfin accès aux échafaudages. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, cool, cool. Je peux faire des fenêtres, pourquoi pas. En même temps, pour l'instant, la maison donne sur... c'est plutôt une grotte, hein, donc on va pas donner sur grand-chose. Canne à pêche. On va aller pêcher. En faire deux, bon, je vais consommer toute ma ficelle. Poisson grillé, donc il faut du poisson, donc il faut aller pêcher. Et là, qu'est-ce qu'on a? Seau de verre, donc c'est pour des seaux, je vais faire 6. C'est pour les pêcheurs, c'est pour les aider, pour booster leurs compétences. Piège, on s'en fiche. Échafaudage, par contre, il va me falloir. Masse. Pour l'instant, on va faire les 6. On va faire des planches. Quitte à consommer tout le bois, c'est pas grave. Et on va collecter du bois. Un petit portail. Il faut du bois, il faut du bois. Là, il y en a plein de bois. Pareil, on va remettre un portail. On va profiter de celui-là. Alors, est-ce qu'ils m'ont ramené la ficelle? Oui. Voilà, on va tout faire. Il manquait 2-3 armures, c'est quand même aussi très très important. Donc on va les faire. Sac à dos aussi. Armure. Je peux en faire deux, c'est moi qui manque. Ben non. Donc je suis une armure en fait. Je m'en suis trompé. Bon, c'est pas bien grave. On les aura pour les prochains nains qui arriveront. Ça, c'est pas un souci. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a plein d'arbres aussi. Je pense que ça devrait suffire au niveau du bois. Pour le moment, ça suffira. Alors, les échafaudages, c'est cool. Parce qu'on peut les poser n'importe où. C'est pas les nains qui les posent, c'est nous en fait. Et on peut les poser et les enlever comme on veut. Et ça, c'est très 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 pratique. On va mettre là. On va avoir souvent besoin.
Si je pourrais en avoir une quarantaine, ce serait bien. Il n'y a pas d'urgence, hein, mais c'est toujours utile d'en avoir. Alors toi, tu fais quoi? Toi, tu vas continuer à explorer par là. Voilà. Et là, pareil, on va continuer à explorer. Récupérer ça aussi. Donc là, par exemple, hop, échafaudage. Et voilà. Et du coup, et je peux les enlever comme je veux. Et ça, c'est génial. Sinon, les nains mettent 3 plombes à installer une échelle. Mettre 3 plombes à l'enlever. On peut mettre un petit échafaudage ici. Alors après, le problème, c'est qu'on oublie où ils sont placés, les échafaudages. Et on les cherche partout dans la mine, mais bon, c'est pas trop grave, c'est le jeu. Ah, un bûcheron. Ça, c'est cool, là. Nageur meunier, cuisinier grimpeur, forgeron, pêcheur cuisinier, pêcheur chasseur, mineur, charpentier. Ben, charpentier, bûcheron. Du coup, voilà, comme ça, la scie est utile pour ces deux métiers. J'ai pas besoin de faire une autre scie. On optimise un petit peu. Du coup, de la bouffe, ça a l'air d'aller. J'aimerais qu'ils se mettent à bosser un peu là. Collecter l'eau. On n'aura pas fait l'enfeuler. Est-ce que j'ai encore. J'ai un piège ici. Posé là. Poser un là et un. Voilà. Je crois que les pièges c'est des one shot en fait quand ils ont claqué sur un ennemi ils disparaissent. Enfin, c'est un petit peu triste mais malheureusement pas trop le choix. Nageur, tiens, toi t'es un nageur. Pêcheur, toi tu prends ça. Forgeron nageur. On va collecter l'eau. J'aimerais bien trouver des poissons. Là, il y en a. Non, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas non plus. Il y avait là-bas, je crois. Bon, ça, c'est la mer. Bon, on va attendre que le jour se lève. Je voudrais bien qu'il mine là. Qu'est-ce qu'il fiche? Ils font tout ce que je leur ai demandé en surface, mais ils creusent pas. Ok. Ok. Voilà, il pleut, ça se remplit. Ah, c'est bien. J'ai une petite réserve là aussi, du coup, c'est pas mal. J'aime bien ce petit monticule, ça me protège un peu. Finalement, je suis pas trop mal protégé. Oula, c'est toi. Okay. Ah, ben voilà. On va pêcher. Essayer de récupérer du poisson. Et aussi on va pêcher. Bon. On va mettre un petit portail peut-être. Non, c'est pas trop bien. Alors on en est où là? Voilà, plein de choses à récupérer. Pareil, on va remettre un petit portail ici. On évite de faire des allers-retours. Ah mais voilà, ça y est, j'ai pêché. Et un nouveau nain, super. Alors évidemment il arrive à poil, on l'équipe tout de suite. Hop, il va lui manquer un petit chapeau. Tu es chasseur, ok. Bon, ben voilà, toi, toi et toi. Ah, les rats c'est une catastrophe quoi, ouvre tout. N'importe quoi. On fait des bêtises. Ouais, vous voyez. Oh non, ils sont encore là, les pièges. Ils n'ont pas encore claqué. On va envoyer à la pêche. Et du coup, est-ce que j'ai du bois? J'en ai beaucoup ou pas? 118, c'est pas mal. J'ai pas encore assez de poissons.
Si je mets un, on va pouvoir faire ça. Du charbon. Voilà, un petit portail. Alors, on a encore plein de choses à récupérer là, c'est la folie. La folie, c'est la folie. Je vais pas là aussi. Enfin, la récolte de bois. On va commencer une petite maison. Et on fera ça pour le prochain épisode. On commencera une petite fortification en bois pour le moment, parce qu'on n'a pas encore accès aux fabrications en pierre, mais déjà je pense que ça suffira. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Je vais mettre des pêchers, par contre c'est pas mal. Pêche. Et on va finir d'équiper notre banane. Alors, toi, c'est bon, après c'est bon, c'est équipé. Mineur, j'aurais bien fait une lampe à lui. Voilà, lampe de mineur, du coup je peux la faire. Alors, ça c'est quoi? Fer et fer. Et du verre, voilà. Je vais en faire qu'un, j'en fais deux, tant pis. Donc du coup, mineur. Voilà. Et on va essayer de leur faire. Alors j'ai un petit peu de corde, on va en profiter. Des sacs. Donc, je peux en faire trois. Chasseur, toi tu vas en prendre un. Nageur minimum, forgeron, ouais. Pêcheur cuisinier, tout en a un. C'est tout le mineur. Mineur, charpentier, boucheron. On va donner au pêcheur, voilà. Et dès qu'on aura de quoi faire pour les autres, on le fera pour les autres aussi. Pour qu'ils puissent ramener beaucoup plus de trucs en même temps. Ok, on va les gars. Bah, quitte à venir là. Des portails un peu partout. Comme ça, ils peuvent tout récupérer. Et on va se préparer les planches. Il faut pas mal. Je sais pas si je peux pas tout faire en fait. On va s'arrêter là. Les pièges là, je les ai pas posés. On va en poser un là. On va en poser un. Attends, on va laisser ça. On va mettre un piège à la place. Ouais. Il me reste une autre cage. On est ici. Ouais. Alors, on est attaqué. Où est-ce qu'on est attaqué? Là. Ça se passe quand même beaucoup mieux pour les. Tu me dis que t'es en train de. Tu peux pas sauter, c'est ça? Il y a plein de notes là, non? Elle va manger. Ouais. Ok, c'est. Elle va manger. Non! Oh, il pêche, ok, super. Bon, s'il veut. Ok, on fait le portail. Au niveau de la mine, j'imagine, si on a avancé un peu, grimpeur, on s'en fiche.
récupérer. Ça, récupérer aussi. Ah voilà, c'est le charbon. C'est ça que je cherchais. Alors de l'autre côté, on est où? On est pas. Alors on va mettre une échelle plutôt que. Plutôt que l'échafaudage, parce que l'échafaudage on a besoin ici pour aller chercher toute cette veine de charbon. Et ici on a, on va mettre un éclairage, ça n'a rien du tout. D'accord, tout ça c'est du charbon. On va repositionner. Le trou là, j'allais dire on va boucher le trou là, mais non. Ah ben voilà, là j'ai du charbon aussi, impeccable. On va creuser comme ça. Ça on va enlever. Du coup on va boucher ici. Majeur, je trouve vraiment que des livres pourris quoi. Ah, si je mets un pont ici. Voilà, donc j'ai encore besoin d'échafaudage, hein, d'où l'intérêt. Du coup j'espère que j'ai pas consommé tout mon bois. Et puis on va bientôt s'arrêter là. Parce que là ça commence à faire beaucoup. Hop. On va rajouter une petite lampe. On n'y voit vraiment rien avec ces lampes. Hein. C'est une catastrophe. Voyons voir. Lampe. Lampe de mineur. Celle-là, c'est très très bien. Ok, construction avancée. De toute façon, je pense que je vais faire que des échafaudages. Pont en bois, on s'en fiche un peu. Et ameublement avancé, bon, on va commencer à en mettre des lits. Des lits un peu sympas, mais on fera ça dans la maison. Donc, prochain épisode, ce sera plutôt construction que exploration. Ça changera un petit peu de ces deux premiers épisodes, mais je pense que vous avez déjà compris un petit peu le principe. On avance dans l'arbre des technologies, on continue les recherches. Je vois rien du tout. Même moi sur mon écran, je vois pas grand chose. Ça aussi, c'est du charbon. Donc l'attaque va avoir lieu dans 2 minutes. Du coup, au niveau des armes... Comment on est? Je crois qu'ils sont tous à fond. Ouais, ils sont tous les armures. J'aimerais bien avancer par contre sur l'armement, mais ça va être un peu plus loin. Ouais, ça va être là. Donc il faut que j'avance sur les ameublements. Transformation avancée et construction avancée. Donc, voilà, avancer sur tous ces sujets là. Pourquoi j'en ai qu'un fabrication de... Voilà, ça devrait finir le schneeblick. Du coup, on avait dit lampe du mineur. Là. On va poser ici. Voilà. Vous allez voir la différence avec la lampe torche basique. C'est quand même beaucoup plus agréable.
Je vais pas faire le feu. Voilà. Voilà. Voilà, là il y en a du charme. Impeccable. Et puis ben voilà, comme l'attaque arrive là dans 4 secondes, comme d'habitude, on se laisse là pour cet épisode. Et on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de Craft the World. Allez, à ciao ciao!